dis c'est pour la soirée. C'est pour la soirée. Échangiste. Qui c'est? C'est Lolo et Jaco. Quatrième. Quatrième. Ah mon Lolo, oh Thierry, maître Capello, comment ça va? Charles et Dino pouvaient pas venir. Bravo Thierry. Comment ça va? Charles et Dino pouvaient pas. Ça va bien? Merci à pas mon pied droit. Qu'est-ce qu'il a votre pied droit? Qui me crée des problèmes, comment on dit? Gilles, j'ai eu un léger accident. Il a mal au pied. Voilà, venez, venez, venez. Un pied, un singulier. Il a mal au pied. Un pied. Si tu veux penser comme un chat, tu dois manger comme un chat. Quel acteur? Hein, vous avez vu hein? Ça, c'est du talent. Ah! Oh là là là. Oh là, ah, tiens, ce soir, on t'a fait un dîner aquarium, là. Oh, le nouveau riche. En hommage à ton comment film. Comment il se la pète. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Oh, c'est tourné chiens. Où, ça? C'est génial. À la maison. Ouais. T'es pas revenu depuis les travaux, toi? Non, 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 je suis pas retourné chez toi. C'est bien, dis donc. Avec la pièce? C'est la pièce, ça rapporte du blé, quand même, le théâtre. Hein. J'aurais pu mettre trois gambasses, quand même. Ouais, y a pas de gambasses. Non, Daniel, hein? Allez. On y va? On y va manger? Ouais, attends, non, on regarde. Ah non, on va pas te regarder. Ah, si, vous mettez-toi là, Laurent. Tu connais Carlos? Voilà, Carlos, donc maître Capello, le célèbre maître Capello qu'on te présente. Enchanté, Charles. Voilà. Ah oui, Charles. De Francis, là, Carlos, merde. Francis. On est en France. Charles, il Francis, il Francis. On dit le roi Juan Carlos. Oui. Idiot, c'est Jean-Charles. Mais Jean-Charles. Mais les gens sont cons. Oh, ils sont cons. Le prince William, c'est Guillaume. Mais le prince Guillaume, bien sûr. Ouais. Parle en français. Ouais, ouais, ouais. Comment ça va, Jacques, alors? Bah, à part mon pied, tout va bien. Bah non, mais bon, voilà. Je fais un nouveau livre en ce moment. Ouais. De mots qui se croisent. C'est-à-dire? De mots croisés. Ah. Et fléchés. Et fléchés. Ah, comment il me défonce à chaque fois. Je suis verbique russiste. Ouais. Et non pas? Et je suis aussi cruciverbiste. Quand j'attaque les problèmes des confrères, je vais dire... En cette occurrence, putain. C'est moi qui avais raison. C'est moi qui avais raison. Point. C'est moi. Soyons brefs. Avait. Mais précis. Raison. Il continue à parler là où il dit qu'il avait raison. Qu'il avait raison. Qu'il avait c'est raison. C'est tout. Hein? Point. C'est tout. C'est tout. Alors. Soyons courts. Non, le problème c'est occurrence, hein. Voilà. Hey, Jacques, je joue les deux C et les deux R, moi, personnellement. Excellent. Il a mis deux C et deux R, lui aussi. Et moi aussi, ouais, yes. A, yes, pas de problème. Et zéro faute. Et là? Vérifions aussi. Zéro faute, monsieur. En cette occurrence de ces R. Deux C, deux R, ça va, Jacques? Coin. Qui avait la vérité? Qu'est-ce que j'ai fait? A, yes, faut mettre. Qui avait? Ah ouais, c'est moi qui avais. Moi? Alors Thierry, est-ce que c'est le moment, après cette évaluation, de reparler de mon salaire? Est-ce que là, voilà. c'est probant ou pas? Mais je pense que tu mérites la direction de France Télévisions. Tu fais aucun effort. Ouais. Voilà. Et voilà. On ne dit plus trincon, on dit convoi stupide. Eh oui, trincon, convoi stupide. C'est vulgaire. On dit plus trincon, on dit convoi stupide. Convoi stupide. Convoi stupide à la place de trincon. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi tu l'aimes. Ouais. Je l'aime d'amour. Ouais. Hein. C'est un surréaliste, quoi. C'est un vrai surréaliste. C'est un vrai surréaliste, Jacques. Le titre? Il avait juste. Non, mais Jacques, ils gardent le titre, les jeux de 20h, et ils le mettent à 19h. C'est possible. Mais oui, parce qu'à 20h, tout est possible. Oui? Oui, c'est les compagnons de la chanson, là. Quatrième étage. Et on a envie de pipi, en plus. Hein, on est 12. Mais le 19-20, Jacques, le 19-20 sur l'A3 à 23h, c'est... Oui, tu peux te faire aussi. Mais ça marche quand même, hein. C'est ça qui est dingue. Et les gens regardent ça. On a sonné. J'ai répondu. Ah, c'est qui? Les compagnons de la chanson. Les compagnons de la chanson. Bon, je me suis fait niquer à la dictée, je te raconte pas. Oh. Bonjour. Tiens. Ça va, Thierry? Ça va bien. Ah, je savais pas quoi amener, j'ai amené mon sac. Ouais. Voilà, tu te mets là, tu te mets à l'aise, la partie de toute façon, ça sera là après, donc si tu veux... D'accord. Tu vois ce que je veux dire, quoi, autant que tu connaisses l'endroit. Ok, hop, fais de la muscu. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Oh, y a pas grand-chose, là, hein. Non, non, mais là, c'est rien, c'est le reste, c'est au Ritz. D'accord. Ça va? Ouais, super, ouais. C'est un plaisir de te voir.
pardon. Il y a Maître Capello qui a fait une... Gilles, tu connais Gilles? Oui, je connais Gilles, bien sûr. On s'est vu déjà plusieurs fois. Hein. Capello qui nous a fait une dictée. Je me suis Ah bon? Déjà? Je me suis planté comme un con, mais des fautes à la con, genre c'est moi qui avais à hiter. La porte ouverte. Comment ça va? Jacques, mon ami Jacques, mon ami Jean-Marie. Salut maître, assieds-toi. C'est un dîner d'amis. Alors en général, alors, Jean-Marie. Quand t'arrives, je t'ai de la place sur mon siège. Voilà. Bien chauffé. Il l'a pas fait, il faut se prosterner devant Jacques quand il arrive quelque part. Viens, on va le faire, viens, on va le faire. Ah, moi je le fais aussi. Oui, salut à toi, grand Jacques. Salut à toi. Voilà. Il est trop beau. À ses pieds, à ses pieds. J'ai honte. Voilà, comme ça. Et tu dis salut à toi, grand Jacques. Salut à toi, grand Jacques. Salut à toi, grand Jacques. Quelle humilité. Quelle humilité. Et on va régler, on va mettre un peu de chauffage. Tiens, mets-toi là, Jean-Marie. Bon. Bonjour. Alors Carlos, voilà. Salut Carlos. Dis Charles. Dis Charles. Donc tu travailles avec Guy. Avec ton pote. Avec mon pote Guy. Martin, ouais. Et toi, t'as ton petit régime là, ce soir. Oui, oui. Tu continues toujours ton petit régime. Voilà, toujours parce que c'est pour la ligne et tout quoi. Ah ouais. T'es un showman. Donc je cours et puis je surveille vachement parce que si je le fais pas maintenant. Bah ouais, tu fais le Stade de France là. Il y a un moment, de toute façon, on va se mettre torse nu tous. Ouais. Comment ça? Oh, que oui. Bah là, tu vas voir la différence, quoi. Et puis, c'est tout, quoi. Tu veux un petit whisky? Ouais, moi, je veux bien un petit whisky, ouais. Un truc, tu vois, pour dégraisser un peu l'estomac, quoi. Bien sûr, avant de manger, bien sûr. C'est le trou normand avant, quoi. C'est ce qui marche dans les deux sens, palindrome? Ouais. C'est l'aval. Palindrome. Ah, et par cette crapule. L'aval et noyon. L'aval et noyon. Et la marine va, papa, venir à Malte. Moi, j'ai trouvé mieux dans la Larousse, j'aurais donné. Engage le jeu que je le gagne. Aesop reste ici et se repose. Il le connaît. C'est d'une beauté littéraire. Putain, c'est génial. Et ça va être tout le temps comme ça? Il arrive plus qu'on distrait un con, mais qu'on voit stupide. Tu l'as ou pas? Synonyme. Ouais. Mais allégeons la phrase. Tu l'as pas? Non, non, je suis preneur pourtant, hein, mais je sais pas, je dois pas être assez con. Avant, je disais con stupide. Train. Ah, et puis merde. Non, moi, quand je trinque, je dis toujours allez à l'intelligence, hein, puisque la santé, vous l'avez déjà. C'est invraisemblable. 25, toi, tu me disais, il en reste 15. Moi, je crois que tu déconnais, moi. J'en ai 35 en plus. J'en ai fait 35. 36. C'est pareil pour connaissance. Faut dire stupide carburant. Con essence. Oui. Il peut jouer là-dessus, ça ferait un truc terrible. Bah, sûrement, avec ça. Tu vois le potentiel, là, au Stade de France? On a l'air de déconner, mais c'est sérieux. Ce qui est con, c'est la promptitude d'esprit. Tu comprends, la promptitude d'esprit? Sans prononcer le second T. P. On dit pas promptitude. T'as appuyé, hein? Ouais. Je te laisse un peu, là. Pas pillé, là. Si, j'ai pillé. Ouais. Qui c'est? C'est Daniel et Pascal. C'est bon. C'est quel étage? C'est un programme aléatoire. Ouais. Ça peut partir de que fais-tu des couples qui viennent à toi? Et me répond Jean-Marie. C'est Jean-Marie. Oui. Jean-Marie. Ça, c'est fin. C'est un programme aléatoire, ça peut partir. Tu as fait une dictée, j'ai fait mes défauts à la con. J'ai fait des gourantes normales. J'ai fait zéro faute. Mais j'ai fait des occurrences, par exemple. Tu mets deux C2R à occurrence ou un C1R ou. Occurrence, non, un C1R. Occurrence, Jean-Marie, il n'y va pas. Un C1R, moi, je ne vais pas. Il n'y a rien du tout. Ni de C, ni de 1. Occurrence, tu ne touches pas, toi. Ouais. Salut, ça va? Tiens, ça va bien? Putain, il y a ma fille qui nous a ramené Capello, là. Ça va? Ah bon? Ah ouais. Ça va? Bah, mets tes trucs, là. Ah, c'est la soirée, c'est parti comme ça. C'est parti sur des dictées, sur des trucs, c'est très... Tiens, alors, Jacques, si vous voulez bien... Voilà. Une phrase que je dicte, moi. C'est une... C'est maison une... bleue adossée à la colline. Non. On y vient d'un pied. Non, vas-y, Jacques. Non, parce que je suis... pas. Ça m'intéresse ceux beaucoup. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Non, la mienne. C'est une imbécilité. Ah oui, d'accord. C'est une imbécilité. Ouais. C'est une imbécilité. Tu vois, il va faire 5 fautes là-dedans. Tu bois quoi, toi? Ça y est, j'ai commandé un... Imbécilité. Pour un quincailler. Ouais. Il a l'air d'être sûr de son coup. Hein. Faut bien articuler parce qu'on voit pas les lettres là tellement. Hein. Non, j'écris bien là. Pour un quincailler.
Dans ce qu'il a dit, il faut bien articuler. Mmh. Pour un quincaillier, d'oxyre un levreau. Oxyre tué. D'oxyre un levreau, derrière un groseiller. Levreau, E-A-U. C'est très fin ce qu'il dit. Hein? Un S. Et c'est drôle, mais il y a de quoi faire 30 fautes là-dedans, à peu près. Hein. C'est ce qu'il nous a fait tout à l'heure. C'est très vrai. C'est une imbécilité pour un quincaillier d'oxyre un levreau, derrière un groseiller. Il est bien choisi. Derrière un groseiller. Et tu vois, il va pas nous faire une faute, ça se trouve. Si lui, il fait une faute. Ah oui, je suis con, je m'attaque à Dark Vador. Je fais l'œil pivot en même temps. Hein? Vous trouvez qu'il fait des fautes, Bernard Pivot? Oh, que oui. Ah! Et prétentieux, ce con. Oh, les gens sont cons. Oui, les cons. Non, non, alors là, groseiller, I-2-L-I-E-R. Et là, je veux dire... Mais quand ça, c'est bon. Moi, j'aurais fait la faute sur imbécilité. Ah, forcément. Pourquoi? Parce qu'imbécile avait deux L. Et en 1798, un connard a dit « Il n'en faut qu'une, qu'un L ». Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'on prononce « imbécile ». Ah, on dit, quel sale con. C'était qui, lui, encore? Maintenant, tiens, j'ai une question à vous poser, maître. Non, à vous, maître. À vous, maître. Pourquoi on dit « fille » et pourquoi on dit « quille » alors que ça finit par « i2le », les deux. C'est fille, quille, ville, tranquille et fille. Réponse. Tranquille et quille. Encore mieux, parce que c'est les mêmes lettres. Tranquille et quille. Tranquille et quille. Parce que, en latin, il y avait « il y a ». J'ai fait 2 ans de latin, attention. Justement, ouais, mais... et le prof lui a de dire. Ne touche pas, Jacques, je vais te taper. Il y a, villa, car c'est villa. Oui. Mais, quand on a tassé, il y a, avec un i, on a i en français. Jacques, attendez, vous allez voir. Je m'en peux plus, moi. Il a jamais raté. Jacques, regarde bien. Où est la pizza? Ici. T'as entendu sonner, Gilles? Non, personne, je vais rappeler. Anagramme? Il n'y en a pas. Allô? Oui. Quatrième étage. C'est nous. Quatrième étage. Bon, on va passer à table, là, parce qu'on va pas tous... Oui. Oh là là, t'as dit un anagramme. Un télégramme et une anagramme. Oui. Un télégramme, on n'a qu'à l'enseigner. On n'enseigne pas. Et pourtant, ça finit par gramme, les deux, ça laisse vraiment rêveur. Hein. Bon, allez, le taxi est là, hein, Jacques. Il faut aller voir Jacques, c'est un winner. Tu m'entends? Non, c'est nos copines. J'y vais. Ça sonne et j'y vais. Ah! Ah là 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 là! Comment on ça va? On a cru que ça va. On allait arriver pour petit déjeuner. Ah, oh, j'aime bien. Comment ça va? Salut, mon petit. Thierry. Oui. Ça va bien? Très bien. Laurent est là. Il se fait une joie. Oui, rentre ici, Jeanne Mouline. Toi et ton cortège de fourrure. Bonsoir. Tu connais Marie-Claude Bomsel? Mon cher Laurent. Qui s'occupe du jardin d'acclimatation. Jardin des plantes. Des plantes. Des plantes. Ah oui, des plantes. Alors, attends, de la ménagerie du jardin des plantes. De la ménagerie du jardin des plantes. Faut que je procède. C'est le cul, un coup c'est la sécu. Oui, oui. Ok. Il a raison. J'ai raison. Bon, allez, Jacques. Ah non, c'est gars. Non. Allez. Jacques, tu vas corriger les fautes de français ici. Oui. Je crois que tu es ici, toi. Ouais, tu es là. Laurent, ma fille, ici, Geneviève. Laurent. Laurent, ici. Laurent, ici, voilà. Monsieur Bigard, ici. Voilà, Monsieur Bigard. Monsieur Rousseau là-bas, Monsieur Céline. Voilà, Monsieur Daniel Rousseau ici, Monsieur Céline, c'est l'inverse, donc c'est pas grave. Mais oui, non mais. Absolument, alors, je vais vous raccompagner, venez. Je vais prendre votre canne, venez. Elle est où votre canne? Votre canne, elle est où? Elle est là, je crois. Elle est là. Gilles, la canne de Monsieur oui. Capello. Hé, hey, Laurent! Allez, Jacques. Bisous, Jacques. Au revoir. Merci. Bon, salut, Jacques. À bientôt. Hein. Dis donc. Ouais. J'ai un taxi. Oui, il y a un taxi en bas. Il n'y a pas de problème. Hein. Merci. Allez. À la base,
J'ai dit à Geneviève, on va faire un dîner chez Thierry et tout. Elle m'a dit d'accord et tout. Il y a qui? Alors j'ai dit, il y a machin. Elle aime bien tout le monde. Et puis quand je dis, il y a Jean-Marie Bigard, elle me dit, je sens que ça coince. Et je lui dis, tu verras qu'avant la fin du repas, tu adoreras Jean-Marie, qui est un amour, une crème de mec. Donc je t'annonce au début du repas qu'à la fin du repas, vous serez que les chemises. Voilà. Bien sûr. Parce que ça fait ça à tout le monde. Parce que c'est le plus gentil des garçons. Moi, ça m'est arrivé il y a quoi? C'est le plus gentil des garçons. J'aime pas, c'est... Parce qu'il y a des gros mots, mais... Oui, bah, alors, 5 minutes, comment... j'aime bien, mais pas Laurent. Une heure. Là, il y en a pour deux. Vous, Laurent, vous l'avez connu comment, la télévision? Oh, c'était hard. Comment vous l'avez connu, la Laurent? Mais seulement, elle le trouve formidable. Ouais. Moi, je suis vraiment le gros bœuf vulgaire. Et lui, il lui dit, les singes se mettent ça sur le cul, elle trouve ça formidable. Il criait à tue-tête dans les couloirs. Déjà, ça démarre mal. Ah oui. Il criait à tue-tête. Vous n'avez pas vu passer une pute avec un chapeau? Il faisait ça. Alors, j'étais le voir, j'ai dit, t'as pas honte de parler comme ça? Et de ne pas respecter les personnes âgées, je pourrais être ta grand-mère et tout. Et puis après, il a beaucoup regretté, je crois. Ah bon? Et puis, alors, je l'aurais pendant des mois. Moi, je l'ai consolé. Alors, l'histoire, c'est que. Tu te souviens, il était. C'est que j'ai eu un très mauvais jugement de Geneviève et je pensais que Geneviève était une vieille conne. Et donc, je m'étais permis une vanne pas très drôle, un peu lapidaire. Et je ne savais pas que Geneviève était une femme formidable, que j'aime d'amour tendre. Tu peux nous réexpliquer mieux? On l'a tirée avec des potes, ok? Ah, d'accord. Et elle a joué, tu m'entends? Dis-le. Elle a crié comme jamais. C'était... Laurent, c'était... À Saint-Paul-de-Vence. Pas mal comme lieu. J'étais au bord d'une piscine et d'un seul coup, il y a un gars qui est dans la piscine et qui me fait, c'est toi qui as joué dans 9 mois? Alors j'ai dit, ouais, il me fait, ton film, il me fait chier, il m'emmerde. Ma femme, seule passe en boucle, elle est enceinte. Vraiment, tu me fais chier. Et il se barre. Je dis à ma femme, j'ai dit, mais qui c'est ce mec? Et puis d'un seul coup, on voit le type qui nage, qui revient et elle me fait, mais c'est Baffy. J'ai fait, c'est Baffy, t'es sûr que c'est Baffy? Elle me dit, oui, je te jure, c'est lui. Et il revient, il nage, il me fait, on déjeune? Je lui fais, ouais. Et on ne sait plus qui t'a. Moi, j'ai eu plus de mal avec Laurent que j'ai rencontré. Hein. Parce qu'il avait fait comme Geneviève au début. Il ne m'a pas trop calculé. Mais toi, c'est vrai. Après, j'ai insisté, je l'appelais tous les jours. J'y ai fait des parades amoureuses. Je le trouvais lourd. Et je l'appelais et tout, et je disais, oui, il s'était rencontré avec chez Guilux, première émission de la classe, 6 mois avant que la classe existe. Je rencontre Laurent, première rencontre. Et il sort un sketch, il avait fait Bravo les mecs, qui est le premier sketch que j'ai fait de Lolo à la classe. Et c'est incroyable parce que j'ai trouvé qu'il avait une écriture formidable, qu'il était super pointu et tout. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, moi j'arrivais de province. Et après, je semais des fleurs autour de chez lui, tout le bordel et tout, jusqu'à ce que... Je savais pas que c'était passé dans ce sens-là, moi. Je croyais que c'était passé. C'est bon, j'étais en plein dans mon... Non, mais c'est-à-dire, lui... Et après c'est lui qui est repassé devant. Après, il s'est dit, merde, ce mec-là, si ça se trouve, on peut peut-être faire des trucs ensemble. Mais sinon, au début, il m'a pas calculé du tout, cet enculé. Il m'appelait tous les jours parce que j'avais fait un sketch drôle. Et après, on s'est plus quitté. Mais seulement, il s'est passé 6 mois, nous, entre-temps. Et je l'ai trouvé lourdeau et tout. Et puis un jour, j'ai fait un truc pour le câble où je me suis fait un peu défigurer par un con qui m'a tiré une balle à bout portant dans la gueule. Donc je suis passé en chirurgie, on m'a gratté des grains de poudre et tout. Et ce type que je ne connaissais pas m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Et puis un jour, tu vois, il m'a dit un truc juste hyper gentil, quoi. Et j'ai halluciné. Et je suis passé du fait de le trouver lourdeau et tout. Ouais. Et d'un seul coup, je suis tombé en amour de ce mec, quoi. Ouais. Et ça ne s'est pas démenti. Vous êtes connus comment, tous les deux? Moi, je sais, un jour, il m'appelle. Il me dit, je fais une émission de radio sur Fun. Tu t'appelles C'est quoi ce bordel? Et il me dit, est-ce que tu veux... Vas-y, fais nourrir. Et il me dit, est-ce que tu veux venir dans mon émission? Et moi, je lui dis, je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas trop le temps. Et là, il me dit, j'ai pas trop le temps, connard. Ça m'a fait hurler de rire. Il dit, rajoute connard, sinon ça n'a pas d'impact. J'ai pas trop le temps, connard. Mais comment ça se fait que tu l'aies appelé? Pourquoi? Parce que je l'invitais dans... Il m'a invité dans son émission. On faisait une émission ensemble sur Fun Radio. Et donc, je suis allé dans l'émission, sur Fun... Il a fait téléphoner ma femme qui m'annonçait qu'elle était enceinte, qu'il faisait un examen pour savoir ce que c'était, qu'elle avait des jumeaux. Et moi, je l'ai cru en plus. J'étais en larmes. Et après, il est venu me voir ici. Je voulais qu'il écrive des trucs pour l'émission, des petites séquences et tout ça. Et il m'a montré une cassette formidable.
où il allait dans la rue, il disait aux gens, qu'il y avait des blousons en Sky. Il disait, vous vous rendez compte, la maman Sky sur la banquise. Et les gens marchaient. Et les gens marchaient à mort. Le regard du bébé Sky. Moi, j'ai trouvé. Il se mettait sur les toilettes et disait, êtes-vous pour les... Il interrogeait les gens, êtes-vous pour les caméras de surveillance dans les toilettes publiques? Et les gens disaient, ah bon, des caméras, mais pourquoi? Ils disaient, pour la drogue, les homosexuels, la sécurité. Et dès qu'ils disaient sécurité, tout le monde disait oui. Êtes-vous pour les parcs-mètres sur les bancs publics? Êtes-vous pour les trottoirs fumeurs, trottoirs non-fumeurs? C'était prémonitoire. Il y a aussi un truc que j'aurais dire qui me semble important. Ouais. C'est que si Geneviève, elle prend son pain à gauche et que Thierry prend son pain à droite, moi j'ai plus de pain, d'accord? Donc tout le monde prend à gauche ou tout le monde prend à droite, ok? Et alors, tu as mis combien dans le film? Moi, beaucoup. Toi, beaucoup? Ouais. Et t'as trouvé des gens qui t'ont aidé à un moment? Non, mais t'as pas de honte à le dire, parce que t'as fait un film avec 3 francs 6 sous, quand même. J'aime pas parler de ça. Ça fait un chantage affectif pour que les gens viennent me voir. Si le film marche... Enrico Macias le fait, et ça marche très bien. Il dit « Achetez mon disque ». Bah, vous aurez du pourcentage. Allez voir le film, sinon il va vendre sa maison. Ils vont lui prendre sa maison. Elle est hypothéquée, la maison. Qu'est-ce que c'est de dire aux gens que si ce film ne marche pas, il meurt. Comme tous les réalisateurs de tous les films. C'est-à-dire, pourquoi tu dis pas aux gens... Non, mais là, c'est même pas le réal qui meurt, c'est le producteur. Le réal, il est très content d'avoir fini son film. Moi, mon premier exploit, c'est que j'ai fini mon film et que c'était... Chaque jour, on tournait en se disant, putain, les échéances se rapprochaient. C'était des sommes où je m'endettais de 2 millions de francs, puis 3, puis 4, puis 7, puis 10, tu vois. Et on croyait... Un cauchemar, une pression supplémentaire. Et lui, il avait les chiffres, et lui qui était angoissé, il était angoissé pour moi. Parce qu'il arrivait le matin, il me balançait les chiffres. Dès le matin, donc tu vois, la journée, elle était... Il fallait bien que je dise ça à quelqu'un de son plateau. Ce que j'aime chez Lolo, c'est qu'il n'hésite pas à nous partager ses angoisses. Et du coup, une fois que tout le monde est par terre, à ce moment-là, lui, il se redresse et dit, bon, allez, on y va maintenant. Et tout le monde est détruit. Et une fois qu'il a détruit tout le monde, après, il dit, bon, allez, on y va, les gars. Et là, il aime bien les champs de bataille. Il détruit à chaque tout le monde en parle. En arrivant, il me dit, putain, je suis crevé. T'as mauvaise mine, d'ailleurs. Tu sais que le rôle de Daniel... a été tiré au sort, tu l'as dit ça? À pile ou face. À pile ou face. Ah bon? Ouais, parce que c'était moi qui devais avoir le rôle. Comme Jean-Todd. En fait, il a tiré à pile ou face, ouais. Et c'est lui qui a gagné, comme quoi. Et Daniel, il est parti se cacher derrière le rideau. Ouais. Il avait choisi face, il est tombé sur face, et derrière, j'ai entendu yes! Attends. Pascal, il a été très fair-play, il a dit je n'aurais pas pu. Il a joué l'acteur principal du film à pile ou face. On était sur la scène du gymnase. Ça, c'est typique du. Je savais pas ça, moi. On était sur la scène du gymnase. Ouais. Et il me dit, comme vous êtes mes amis, moi je veux pas avoir de problème, je tire à pile ou face. Attends, il faut expliquer avant. Il y a 8 ans, j'ai écrit le rôle pour Pascal, je connaissais pas Daniel. Après, on m'a dit Pascal n'est pas connu. Donc j'ai pris Daniel qui est un petit peu connu. On m'a dit ça va. Et alors j'avais écrit des choses pour Pascal et un peu pour Daniel. Et puis après j'ai décidé de le produire. Donc je faisais ce que je voulais. Et j'arrivais plus à choisir entre Pascal et Daniel. C'était j'en dormais plus quoi. C'était Cornélien. Et voilà, je leur ai dit au théâtre, je vais arriver. J'ai dit écoutez les enfants, je vous aime beaucoup, mais j'ai envie de dormir la nuit. Ouais. Donc on va tirer à pile ou face. Et la promo alors Lolo, tu m'as pas raconté? Bah, la promo, c'est 4 télés par jour, 3 radios, le Press Junket. T'as écouté l'énergie, un mot que j'ai... Non, on a fait rire et chanson ensemble. Oui. C'est vrai? Bah, la Press Junket, donc les mecs, ils se succèdent, ils ont une demi-heure. Tu leur donnes combien de temps? Je leur donne le temps qu'ils veulent. Mais ils sont pas contents, parce que normalement, ils doivent... Non, mais il n'y a pas marqué Bruce Willis pour l'instant. Donc, tu sais, moi, j'en suis pas donné 7 minutes. Je leur donne 2 jours chacun. Je les reçois à la maison, ils repartent avec du foie gras, des produits régionaux très corrects. C'est quoi comme requin? C'est du marouani? C'est du... Alors ça, j'aime bien. Ça vous plaît? Ah oui, ça j'aime bien. Parce que si c'est du louvain, moi j'ai pas droit. Hein. Et en plus... Mais les champs démolent maintenant. C'est du requin, hein, Marie-Claude, hein. Je crois. T'as vu, famille. Alors, le requin fait partie des cartilagineux. Ouais. Pourquoi on retrouve pas de squelette, Marie-Claude, de requin? Parce qu'ils sont cartilagineux et que de ce fait, ils ne se fossilisent pas. Les requins ne se fossilisent pas par les dents. Donc on n'a que des dents. On n'a pas les vertèbres, on n'a pas... L'arrêt comme les poissons primitifs. Ah oui. J'adore l'arrêt. Ouais. Ouais, on sait, Jean-Marie, on sait. Non mais c'est pour essayer de motiver un peu Geneviève. Alors, ils vont les zèbres. Avec les zèbres. Il y a le Burchell, il y a le Hartmann et le Grévy, voilà. Et il y a le zèbre des montagnes aussi, qui est parfois classifié. Le zèbre des montagnes. Et il est très efféminé. Pour moi, c'est une petite tarlouse qui va se cacher en altitude pour
pour vivre sa sexualité. C'est que quand il court, ça rend flou comme Canal+, un peu les autres animaux. Exact, oui, par rapport à ses prédateurs, comme nous disons et tout. C'est pour ça que comme ça, ils ne peuvent plus être vus. Mais enfin, c'est quand même étrange que d'être en pyjama en pleine savane et tout. Mais on pense que c'est une possibilité de dissimulation. Le fait d'être zébré comme ça. À partir du moment où ils sont rayés. Quand ils sont comme ça, d'un coup, l'autre, il ne voit plus rien comme Canal+. Ça fait crypter. C'est de l'art optique, quoi. À peu près. C'est une des rares façons, parce qu'en général, ils se camouflent. Ça réveille un peu. En général, ils se camouflent, les animaux. Mais là, en l'occurrence, il est très visible. Mais le fait qu'ils soient en groupe et qu'ils me courent de tous les coups. On dit que ces rayures, c'est aussi pour échapper à la mouche tsetse. C'est ce qu'on a dit, ça, c'est moins sûr. Ouais. Effectivement, elles piqueraient à certains endroits et qu'ils ont des rayures individuelles comme on a des empreintes digitales. Et à partir de ce moment-là, et le bébé reconnaît la maman grâce aux rayures. C'est une espèce de code barre. La maman, elle fait brut et elle dit oui, ça, c'est mon fils. À moi, ça. Je voulais dire à Geneviève que mes gros mots, oui, même s'ils lui déplaisent un peu, c'est comme les paraboles. Ça fait partie de ton personnage. Ça fait partie de ton Le coup pas, Geneviève, tu vas prendre une grande claque dans ta gueule. Écoute-le. Fini, Jean-Marie. Les gros mots, c'est exactement le même, ont exactement la même vocation que les paraboles qui sont utilisées pour expliquer quelque chose. Et pour capter les échelles étrangères. Par exemple, tous les grands, saints qu'on adore, et Thierry le premier, par exemple, parce qu'on croit en Dieu. Et notamment, moi, par exemple, j'adore Jésus, parce que je trouve que ça a été le premier... Mais Jésus, il t'aime aussi. Oui, et je suis sûr que Jésus m'aime. Mais ça a été le premier dissident. Il a été crucifié, pas parce qu'il disait qu'il était le Messie. Il y avait 200 000 personnes par jour qui venaient se présenter en disant « Bonjour, je viens pour l'audition du Messie et tout ». Il a été, en fait, s'il a été donné, non seulement après, aux Romains, qu'en ont pas voulu... Parce que le Sanhédrin ne pouvait pas le tuer. Les Romains ont dit, merde, ce mec a vraiment trop d'amour, on ne peut pas le tuer. Donc ils l'ont donné au peuple qui a voté. Et finalement, il a été tué par l'ensemble de l'humanité. C'est ça le message de Jésus. Mais si ça s'est passé, c'est qu'il a dit au Sanhédrin, vous respectez la lettre, vous êtes les gardiens de l'écriture, vous respectez la lettre, mais vous trahissez l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est vivant dans le cœur de chacun, il n'est pas mort, gravé dans la pierre. C'est tout ce que je voulais dire. Amen. Et que des fois, en parlant avec des paraboles, ou en évoquant des choses, par exemple, intimes, avec des tas de tonnes de bites et de couilles, des fois, on arrive à faire comprendre quelque chose aux gens d'une manière plus claire, avec des mots plus forts. Tu peux comprendre ça, Geneviève ? Amen. Le sketch que j'avais adoré, c'était les grandes causes. Et les pauvres aussi, notamment, parce que là, on est quand même dans un dîner. Excuse-moi, Thierry, mais... Je t'en prie. On est loin de la fin dans le monde, l'Afrique, tout le bordel. Ah bah c'est sûr, ça. Bah nous, un jour, on a écrit ça avec Lolo, et Lolo, il a enfoncé le clou tellement loin que c'était presque injouable. Je le faisais, et ça faisait ça dans la salle, quoi. Ouais. Mais ils pouvaient pas les gens... ils pouvaient pas les gens... Le pauvre n'a aucun goût. Ouais. Aucun. Tu verras jamais une toile de maître chez un pauvre. Alors qu'entre nous, un Van Gogh ou un petit Picasso de la période bleue, c'est quand même plus sympa qu'un canevas qui représente deux cerfs oranges qui boivent dans une mare sur un coucher de soleil violet. Ben non, si c'est pas à chier partout, ça leur plaît pas. Il n'y a qu'à regarder la femme du pauvre. Si elle n'a pas une robe de chambre à fleurs avec des mules et des bigoudis plein la tête, il n'y touchera pas. Tu verras jamais un pauvre avec un top modèle. Jamais. Ça n'intéresse pas. Et top modèle, ben, sûrement. Quand tu vois comment on est reçu au Royal de Deauville, on s'étonne pourquoi ils s'acharnent à aller au camping de Melun. Pour la même distance, hein. Même, regarde le pauvre. L'été, il va passer 10 fois devant une plage privée, magnifique, avec du sable fin et tout. Il s'arrêtera jamais pour louer un matelas à 200 balles. Il n'a pas le réflexe. Alors que pour lui et sa famille, c'est quoi? C'est un coup de 1200 balles. Mais pour être bien, bordel! Eh ben non! Alors vous allez me dire, c'est son budget de la semaine. Mais qu'il soit bien, eh ben non, il préfère être 8 jours mal qu'un jour bien. J'ai donné à sa copine... C'est tellement... De quoi? Mes clés, c'est un porte-clés que je donne pas à tout le monde, je lui fais ça pour un cadeau d'amour. Et moi, comme un con, il la donne à cette de Talman. Ah non. Ça m'a fait pleurer. J'ai téléphoné le soir même. Ça vous a vexé, ça, qu'il ait donné le porte-clés à Talman? Ah oui, ah oui, vraiment. Il aime beaucoup Talman. Oui, c'est qui Talman? Il va falloir que tu choisisses entre Talman et moi. Choisis, Geneviève, c'est toi. C'est une demi-France qui est partie. Talman, c'est ça, c'est une demi-France. Quatrième.
Tu vas connaître l'amour. Hey, les mecs, là, c'est fini. Moi, je vais défendre ma copine. Hein, si bah, viens, viens, viens. Qu'est-ce que vous foutez, là? Mais c'est fini. On va se mettre en complet. Ah non, non. Ah bah voilà. Arrive un peu trop tôt. Non, on apprend à se connaître. Laissez pénétrer par l'idée. Mais c'est un véritable traquenard, hein? Absolument. Salopard. Entendu? Quelle famille, les traquenards? Et Geneviève, on était à deux doigts de conclure, reculer l'échéance. Je suis bien emballé. Je suis bien emballé. Quand on s'est vu chez Thierry, je t'ai caressé les seins, tu t'en rappelles? Ouais, Geneviève, c'est pas très bien de dire que Thelman est une. Si, si. C'est une trahison. C'est tout. Vous le vivez mal, ça, hein, Geneviève. Ah oui, oui, bah, de toute façon, elle m'a. Et voici maintenant Sophie Thelman. Ah oui, ah oui. Là. Ah oui, c'était dégueulasse. On fasse entrer la. Ah oui, vraiment. Et en plus, il lui donne mon porte-clé, franchement. Mais pourquoi t'as donné le porte-clé, quoi? Parce que je pensais les réconcilier. Comment ça va? Ça va bien. Oh, toi? Sophie. Je leur ai annoncé que c'était Sophie Thelman. Ah bon, là. Tu craches. Je te vois enfin sous ton vrai jour. Qu'est-ce qu'il y a, Geneviève? Qu'est-ce qui se passe, Geneviève? Bah, rien. Vous êtes ému, là? Oui, oui. À cause de Sophie. Mais je te montrerai, j'ai amené deux, trois documents que je veux te montrer. Là, on est un peu toqués avant toi. C'est une. Mais comment non, attends, attends, non, attends, attendez, attendez. Il y a un schisme dans le groupe. Non, 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 non. T'es une petite. Tu vas mettre ta guêpière. Attends, attends, arrête un peu. Elle est rentrée à TF1 par la grande porte avec son bout de chiffon marqué Miss France. Oui. Et vous l'avez gros sur le cœur. Hein. Oui. Vous savez pourquoi? Moi, je crois que c'est parce qu'elle s'est attaquée à Xavier. Oui, vous êtes arrivé. Bah, en plus, mais Xavier, il ne méritait pas ça. On est à vous après, là. Et tu sais pas le comble? Oui. Michel Lafon qui veut faire mon bouquin. Ta vie à toi. Alors je lui ai dit, bah, brossez-vous, tiens, comme si je vais faire un bouquin avec vous, vous avez fait le bouquin de Thelman. Bah, Michel Lafon, il fait des livres de tout le monde. Non, non, bah, non, bah, moi je vais le faire avec lui. Ouais. Non, je vous ai rarement vu comme ça. Elle a l'air très touchée. Oui, oui, non, mais vraiment, parce que. Elle est blessée. Parce qu'elle me doit tout, Sophie. Détends-toi, j'aime vraiment, bien. Et j'ai pas, et j'ai vraiment jamais rien eu avec elle. J'ai passé une bonne année. Et faire un livre comme ça pour cracher dans la soupe, je trouve ça minable. Arrête, Laurent. Minable. Quand tu disais que moi j'étais une radine. C'est ce qu'elle a raconté, la boîte pas, de thon. Pas radine, la boîte de thon, elle invite à bouffer, Sophie Thelman. La boîte de thon et les biscottes. Oh oui, dire que qu'elle vient chez moi, j'ouvre une boîte de thon pour une personne. Mais c'est sympa, une boîte de thon. Non, c'est Sophie Thelman, je t'explique. Sophie Thelman, Miss France, qui a écrit un livre qui s'appelle L'envers du diadème. Et puis là, bon, elle a expliqué que Geneviève était radine, que quand elle la recevait chez elle, elle lui donnait du thon et des biscottes. Elle a expliqué que le fils de Geneviève, Xavier de Fontenay, ne voulait pas lui porter ses bagages. Mais attendez, on allait l'amener à la gare de l'Est. Je ne sais pas si Moujotte, il l'amenait à la gare de l'Est quand elle était à TF1. Il y a ton et ton. Mademoiselle, vous ne pouvez pas porter son sac pour aller pour prendre le train pour Bar-le-Duc. Il fallait qu'on lui porte son sac. Mais moi, je porte mon sac quand je vais quelque part. Je porte ma valise. Personne ne porte ma valise. Ça veut dire quoi, là, de dire ça? Que Xavier lui porte pas son sac. Mais c'est pas très grave. Non, mais je veux dire, c'est débile. Oui, mais c'est tempête dans un verre d'eau. Tu sais, la vraie vie, elle n'est pas là. Il y a des gens. Bon, je veux dire. Faire un livre de ça, oui, mais que les médias montent dans la mayonnaise. Vous achetez le livre en question ou pas? Je ne sais pas, fait un carton. Toi, alors, c'est bon. Enfin, c'est ce que Michel Lafon me dit, ça n'a pas très bien marché. Il dit, ça marchera mieux avec Geneviève. Ben, des clopes, je vais ailleurs. Chère Madame de Fontenay, c'est avec un grand plaisir et tous mes remerciements que les bouteilles de vin, que je vous souhaite une très bonne année 99, qui j'espère pour vous sera toujours santé et prospérité. La famille entière, les Thelman, grands-parents, etc. N'oubliera jamais tout ce que vous avez fait pour Sophie et espère pouvoir un jour vous renvoyer l'ascenseur. L'ascenseur, il est resté bloqué. L'ascenseur. Hé, hey, ton film, toi, tu m'avais demandé une chanson. Elle est dans le film. J'ai perdu mes clés de bagnole. Allez, ta chanson est dans mon film. Ah bon, c'est fantastique parce que je ne l'ai même pas fait. C'est fort, hein? C'est un cinéma parallèle. C'est fantastique, ça. Mais tu l'as fait, ton film, alors? Oui, on a signé pour toi. Et bon. C'est Dave qui a fait la chanson. Ah, c'est Dave qui a fait la chanson. J'ai perdu mes clés de bagnole. Et qu'est-ce qu'elle a, Magnole? Ça a déjà été fait, ça. Il l'a fait, son film, il est vachement bien. Non, mais les clés de bagnole, c'est une blague, ça aussi, c'est dans le film. Non, je voulais faire un album, mais finalement, je m'y suis pris trop tard. Parce que j'avais trouvé une idée. Si j'avais pas perdu mes clés de bagnole, je t'aurais jamais connu, tu vois, des choses comme ça. Mais j'ai pas eu le temps, sincèrement, j'ai pas eu le temps. Et je vais continuer. T'as combien de vedettes dans ton film? C'est énorme, non? Une petite centaine, mais je vais continuer à tourner. Dont je fais partie? Oh, mais c'est... Dont tu es la figure de proue, Geneviève. Il a un casting d'enfer. C'est qu'à un moment, il a quand même
Il a quand même Depardieu qui fait un fromager sans aucune réplique. Pas un mot, pas un mot intéressant, rien du tout. Et le sel lui remonte dans la bagnole et il dit, t'as vu, c'était qui? Et Daniel dit, ouais, j'ai vu, c'était Gérard Depardieu, mais ce qui m'épate le plus, c'est comment t'es arrivé à avoir une vedette pareille. Et tout, mais il dit, on s'en branle, il est au générique, on s'en fout qu'il fasse un fromager. Il faut que je m'arrête pour acheter du fromage pour ma mère. Il dit, mais c'est pas dans le scénario. Il dit, mais je m'en fous, ma mère a besoin de fromage. Quand même. Tu lui as donné son poids en fromage? Mais je pense que dans sa carrière, il y aura avant et après le film. il sera plus le même. On verra plus Depardieu de la même façon. Tu oublies de dire que quand il t'a dit qu'est-ce que je fais, et tu lui as donné les deux pages de texte, et qu'il a regardé les deux pages, et d'un seul coup, en lisant, il regarde Laurent, il fait, mais c'est lamentable. Et Laurent lui fait, c'est exprès. C'est une scène lamentable. J'en ai eu une heure. Il fallait qu'il parte à 11h30, il est parti à 11h31. Quel cavalcade. Je l'ai eu une heure. Et ce jour-là, j'avais besoin d'un seul accessoire. Un pichet de lait de chèvre. Un pichet de lait de chèvre. Et l'accessoiriste, il a un accessoire marqué sur sa feuille de service et il l'oublie. Et moi, j'ai Depardieu ce jour-là pour une heure. Donc c'est pour moi, ça fait des mois que j'attends ça. J'ai besoin juste d'un pichet de lait de chèvre et il n'est pas là. Et j'ai vieilli de 10 ans, quoi. On n'était pas dans le trouduc, Marie-Claude. On était dans la sodomie. Pour une fois que j'essaye d'être correct et d'utiliser le bon mot. Tiens, on sonne. Hein, c'est le sphincter, le rectum, dans le machin et tout. Et on m'a expliqué qu'une bite, la base du gland où la peau est un peu violacée, est la peau la plus fine qu'il y a chez l'homme. Et la bite, quand elle rentre, là, le gland vient coincer avec le rectum. C'est ça qui est vachement bon. Tu comprends? Et à ce moment-là, là, où à la base du rectum, tous les microbes sont là, tous les virus, et ils viennent entrer en pression et en contact avec la base du gland. On était sur la sodomie, là. Il m'a expliqué un truc, mon c'est énorme. Sur la sodomie ? Sur la sodomie. Ça devait être sympa à la base, et là, ça part en couille. Boum ! Et il a plan. Je te présente Alain. Salut, conseil. Ça va bien ? Robert, que tu parlais de toi, qui rêvait de te connaître. Attends, c'est pas fini. C'est le deuxième, le fake is cool. À quel moment? Comment ça s'est passé ton émission? C'était bien? Ouais, c'était bien. C'était sympathique? Ouais, ouais. Non, c'était. Bah, j'étais avec ton. C'était une émission sur les comiques. Ouais. Ceux qui font rire. Et vous n'avez pas parlé de moi? Nous, on n'était pas là. Avec... Oh, si, on a parlé de toi en plus. Avec Frédéric Jeux. On a parlé de toi, on a parlé du Stade de France. Vous avez dit du bien, j'espère? Non, on t'a bien taillé. Ah, d'accord. Non, on a dit du bien, on a dit que c'était le 18. C'est l'anniversaire de Jamel. Ouais. Le 18 juin. Ouais. Non, c'est drôle. T'as du pot, tu tombes le jour de l'anniversaire de Jamel. Oui. C'est un beau cadeau que tu lui fais. Bah oui, c'était une petite attention que j'avais eue comme ça. Bon, j'espère que ça lui fera plaisir. Et qu'est-ce que tu fais, toi, alors? Moi, je tourne avec Attal. Ah ouais? En ce moment. Tu tournes dans son film? Ouais. Un film où je devais être. Ouais, il y a machin dans le film, là. Il y a Brad Pitt ou je sais pas qui, là. Non, ou l'autre, ouais, là. C'est Brad Pitt. Johnny Depp. Johnny Depp, moi je les mélange tous, les Américains. Alors, on parlait du film de Laurent. Il paraît que c'est une belle merde. Hein. Ouais. Faut pas y aller. Hein. 23. Avec la salope, 23. 23, c'est ton chiffre magique, Laurent. Ouais, parce que c'est un chiffre que j'aime bien, que je dis souvent. Mais quand Jean-Marie a joué la scène où il y avait écrit 23, il a hyper bien vendu. Et le lendemain, je voyais les machinaux qui disaient 23. 23. Il reprenait les intonations de Jean-Marie. Et je me suis dit, ça, c'est formidable. Enfin, c'est ton intonation que Jean-Marie a faite. J'ai tourné Alain après. Et ils se détestent, les deux. Hein, c'est infernal. Et donc, j'ai enfoncé le clou. J'ai dit à Alain de dire 23. Enfin, tout le monde a dit 23 dans le film. Ce qui est extraordinaire, on était dans une ville, tu te rappelles, pendant la tournée. Et Laurent, on va au casingue. Il y avait un casingue. Et Laurent dit, tiens, il nous donne un petit billet. Il fait, vous me misez ça sur le 23. Et Pascal, qui est quelqu'un d'honnête, me dit, je vais quand même jouer le 23, non, c'est normal. Non, c'est pas ça. Pascal, on est arrivé au casino, on était en train de changer l'argent, et on entend le 23. Là, dans ce cas-là, il faut rechanger immédiatement et partir. Non, bah, est-ce qu'on a fait non.
On l'a rejoué tout de suite, tout de et suite. Le deuxième, le 23. Le 23, il double le 23. Oh, bien joué. 46, ok. 46, on monte. Ça retombe, non, non. 46. 46, c'est 69 derrière. Hein. Non, je sens que c'est... Après, c'est 69, hein, je m'y connais, hein, c'est ma spécialité. Clé de bagnole, Laurent. C'est clé de bagnole. C'est clé de bagnole. Clé de bagnole. Au clé de bagnole. Clé de bagnole. 23. Ah. Ah. Qui n'est-ce qui drille ? Barbelivien. Là, tu vas chanter moins fort. Je pense que c'est Barbelivien. Je pense que c'est Barbelivien. Il n'y a pas de voisin au-dessus qui disait rien, non ? Quatrième étage. Thierry ! Tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît ? C'est vrai, ça. En haut ou en bas ? Non, mais moi, je suis dans l'Union américaine. Thierry ! Tu peux m'ouvrir la porte, s'il te plaît ? Je t'ai ramené un cadeau ! Ouvre la porte! Moi, je la défonce, la porte. Les voisins, mais ceux du dessus, ça se passe très bien. C'est vrai, ça. Il va jouer Lindbergh. Jamel, il demande du vin rouge depuis le début, putain. J'attendais du vin rouge. On s'aime, c'est le meilleur copain. Je suis content de te voir. Bon, vous allez, madame. Très bien. Bonjour. Ça va? Salut. Gilles, t'as un tire-bouchon? Très bien. J'adore tous vos animaux. Merci. L'ambiance, mon frère. Ça, ouais, tu vois, ça change de tout du grec. Annie Cordier est aux toilettes. Ah, c'est un sucre, là. Tu veux du dessert, Jamel, qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, mais très bien, je prendrai comme vous. Voilà, voilà, c'en est un. Et de la glace. Bravo. Eh, hey, ici, on fait venir les pianistes. Hey, on fait venir les pianistes du Canada, ici. Bravo. Jamel, qu'est-ce que ça te fait d'être en face de Geneviève de Fontenay? Ah, je la kiffe. Elle est bonne. Franchement, j'adore toutes vos filles. Ah ben, c'est gentil. C'est vrai qu'elles sont bien. Elles sont bien. En France, il y a eu Madame Claude et Geneviève de Fontenay. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on aille un jour amener mes miss là-bas, dans une banlieue là-bas. Ah, c'est pour une tournante, Geneviève. Non, ça peut s'arranger. Une banlieue là-bas, du côté de Mantes-les-Jolies ou Sarcelles et tout ça. Attention, ça va risque péril. Faudra pas venir pleurer là-bas. Je vais pas pleurer. C'est pas elle qui va pleurer, c'est les miss. Jamel, c'est bien ce que tu fais pour les jeunes. Toi, tu es... Non, attends, je t'explique. C'est contre ma religion et je vous préviens. Je suis obligé de vous prévenir. Si vous buvez de l'alcool, vous risquez d'aller en enfer. D'accord, c'est vrai. Le plafond va s'ouvrir et... C'est vous qui décidez après. Bien ça enfin, parce que ça je me décharge, moi je suis à l'eau. Non, non, mais j'aurais organisé peut-être quelque chose à dîner, amener les miss, amener les miss. Une tournante à trois. C'est sympa d'amener les miss. Moi je suis à mort pour qu'on dîne écoute, d'abord. On va s'organiser un truc. D'accord, on s'organise. Mais sans champignons, ouais, c'est pour un enfant. C'est péché des vannes comme ça. Même à ta table, le mec... qui va tous nous mettre à l'amende, nous qui sommes de la profession, il va faire le Stade de France. Ouais. 18 jours. Il s'entraîne à Maracana. Hein. Le jour de ton anniversaire. Putain, Thierry. Le jour de ton anniversaire, je le sais, t'as été dénoncé. C'est pour ça qu'il a fait ça. Ah, mais attends. Et c'était pour te rendre hommage, je savais pas comment faire. Alors que toi, ta première, c'est le jour de la ménopause de Jeannette Garce. Jamais je ferais chanter 52 000 personnes, j'irais. Je vais vous le dire maintenant, c'était pour l'anniversaire de Jamel. Ouais. Ah, 52 000. Non, non, ouais. Happy birthday to you. Merci la France. Elle est d'accord, ouais. Je suis bon. Et tu, le spectacle, tu le connais par cœur, là, ça va?
Le mien? Ouais. Ça commence à rentrer. Ouais. Non, je m'amuse vraiment. Je paniquais au début parce que ça faisait longtemps. Mais c'est comme le vélo, bizarrement, je te jure, tu reprends. Ouais, ouais, c'est la première date, après, tout de suite. T'as combien, là, t'as 20 minutes? Non, combien? Là, je commence mon spectacle en disant, mon spectacle est en cours d'élaboration, c'est-à-dire au moment où je vous parle, je l'écris. Ce que je dis là, je l'avais jamais dit avant. Par exemple, quand je dis je l'avais jamais dit avant, je commence le spectacle comme ça. Donc, comme ça, ça me permet un petit peu, même si je me trompe ou si j'ai un trou. Et d'ailleurs, je dis, si j'ai un trou, je vous préviens, j'ai trouvé une technique américaine, je crie Karim, j'ai un trou! Et là, il y a mon frère qui arrive et qui me souffle le texte. Le problème, c'est qu'il a que des trous, lui aussi. Je suis pas là. Non, ça se passe bien, ça. Et c'est où, ça? Le 23 décembre, au Casino de 23? Ouais. 23! Putain, 23! C'est le chiffre du film. Tiens, regarde. Vas-y, Robert. Non, mais Robert, 23. Non, c'est parce que... Robert, on a composé... Robert, on va te jouer le 23. La chanson thème du film de... Alors ça, des si clés c'est de ma bagnole. La promo, Jamel. Parce qu'on peut doubler, C'est la musique, en fait, c'est la musique du film de Laurent. Ouais. Sérieux? Ouais. On vient de l'écrire ce soir, parce que c'est évolutif. On fait tout. Okay, ouais. C'est un perroquet qui est vachement intelligent. Bonsoir. Donc, tu sais, là, il y a juste la grand-mère qui est avec lui, qui est sur un fauteuil roulant, et le petit chat qui joue avec la balle. Alors, le chat joue avec la balle elle tape dans une bougie, et la bougie, elle roule, elle va sous les rideaux se mettent à brûler. Le perroquet qui est vachement intelligent, tu vois, regarde. Comme ça, il fait « Comprends, toi, que la maison va brûler. » Donc, tout de suite, il est là, regarde, il est dans sa cage, et comme il est très intelligent, il, avec son bec, il ouvre la porte de la cage, il se penche dehors, putain, 2,50 m, il a jamais volé depuis 8 ans. Il dit « Tant pis, j'y vais, tu vois, il y va, blam, il tombe comme une merde en bas, tu vois, et il regarde les rideaux qui brûlent, regarde la grand-mère, puis il attrape le fauteuil derrière avec son bec, il tire la grand-mère dans la chambre à côté, ferme la porte avec son bec, et va... sur le lit, prend une couverture, il bourre la couverture en bas, tu sais, pour le feu et tout, parce qu'il est très intelligent et tout. Et après, il se dit, regarde, là, le feu qui prend et tout, hein, ça brûle un peu les plumes. Comme ça, il fait ça avec sa patte. Et puis, il va dans le salon, il dit, les pompiers, téléphone, les pompiers, il pense, pompiers. Il arrive dans le salon, comme ça, putain, le téléphone, il est à 1,20 m sur le buffet et tout. Il prend son élan, comme ça, clac, il s'accroche au premier tiroir. Il met la patte sur le deuxième, clac, il se met, clac, le troisième tiroir, il arrive en haut. Téléphone. Regarde le cadran, mais comme il est très intelligent, il se souvient 18. Les pompiers, 18. Il fait tomber le combiné comme ça. Et ça, il fait 18. Tu vois, parce qu'il est vachement intelligent. Et il entend d'un coup, allô, les pompiers. Et comme il est très intelligent, il sait qu'il ne faut pas parler à l'endroit où on entend. Il faut parler de l'autre côté. Eh, hey, pompier, oui, c'est qui toi? Hop, il se met de l'autre côté et il fait... Il est beau, coco. J'adore. Puis il en fait un magnifique, tu vois. Là, je crois que là, j'ai fait ce qu'il fallait. Remets-moi un coup de Jamel. J'en ai une encore plus longue. Oh là. Prouve-le. OK. Un navire, porte-avions américain qui arrive à Terre-Neuve, zone canadienne, et puis il voit une lumière la nuit qui s'avance vers lui, il dit « OK, nous sommes un navire américain, vous demandons de dévier de 5 degrés vers l'est. » Le Canadien répond « Nous sommes un navire canadien, nous exigeons que vous déviez 5 degrés vers l'ouest. » L'Américain répond « Vous nous avez mal compris, nous sommes un porte-avions, 2 destroyers devant, 2 derrière, 20 F-18. Nous exigeons immédiatement, et même plus tôt si possible, que vous déviez 5 degrés vers l'ouest. » Le Canadien répond « Nous sommes chez nous, on sait ce qu'on fait, on vous ordonne de dévier de 5 degrés. » L'Américain répond « Le seul qui nous ordonne et le seul de qui on prend des ordres, c'est George Bush. » Le Canadien répond « Bonne chance, nous sommes un phare. » Eh, pas mal, oui. Bonne chance à tous. Et bonsoir. Elle résume toute l'histoire, celle-là.
Mais c'est bien, c'est une bonne idée le piano. Tu sais, ça, ça tamise un peu l'ambiance, ça la rend plus douce avec le cristal. C'est vrai, mais je devrais faire plus souvent ce genre de jeu. C'est vous, Alain. Genou 23. Genou du hard. Du Def Leppard. Ah, il joue du jazz aussi. Non, non. Ça pourrait être la finale. Jamais le piano. Allez, jamais. Vous chantez une chanson très connue de Barry White. Charles Aznavour. Vas-y, je reviendrai à mon rêve. Fais le concerto de la main gauche de Ravel. Avec une seule main, je vous préviens. Ah bon. Pour lui qu'elle est. Combien de que ne peuvent pas connaître pour Marco Sotola s'apprêter des lilas jusque sous les fenêtres de moins de 20 ans qu'ils ne peuvent pas connaître. Pour Marco Sotola de laisser des lilas la bohème. C'est pour aller se coucher. Dans mon lit, je revois ma vie, les yeux fermés. J'entends des voix que j'ai connues, que j'ai aimées. C'est la pleine lune, il y a trop de monde dans mon oreiller. D'Ophélie endormie, dans mon rêve éveillé. Dans mon lit, ancré au lac, comme un radeau, au tabernacle où repose la bête à deux dos. Ce soir la lune brille sur ta peau comme un soleil. J'ai pas sommeil, je bats le tempo avec mes orteils et j'embraye sur les chevaux bleus de Chagall, les taureaux de Picasso, les crucifix de Dali. Et cette musique dans mon cou, celle de ta voix quand tu jouis. Merci. C'est vrai que t'es coiffeur? Yeah. Très bon. Très bon. Sculpteur de poils. Ah ouais, je te jure. J'ai beaucoup d'amis. Je t'ai peigné de même quand j'avais ton âge. C'est vrai? Ah ouais, tu m'as pas connu dans le temps d'année. Ah oui, si, c'est vrai. Ouais, c'est ouais, bien ouais, comme ça. Ouais, c'est cool. Hein, pas mal, mais quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Là. T'as quel âge, toi? J'ai 26 ans. Et si bois, ben ouais. J'adore. Mon fils, il a 26 ans. Vrai? Ouais. Toi, t'as quel âge, Amine? 28. Ah, oh, c'est jeune. C'est cool. C'est plus que cool. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.